c'est vrai que la question n'est pas si simple qu'il pourrait y paraître. Congo, c'est d'abord, évidemment, c'est un fleuve. Un grand fleuve, 4700 km, le fleuve le plus puissant d'Afrique, le deuxième au monde, 40 000 m3/s à l'embouchure, c'est considérable. Un bassin de 3 700 000 km², bon, voilà, c'est un grand fleuve. Mais Congo, c'est aussi et sans doute d'abord une population. La population Congo, qui parle la langue Kikongo, qui occupe la partie inférieure du cours du fleuve, entre le Poul Malebo, c'est-à-dire l'ancien Stanley Poul, où se trouvent Brazzaville et Kinshasa, et l'Atlantique. Et cette population Congo, elle est organisée en un royaume de Congo, et le premier contact des Européens avec cette partie de l'Afrique, c'est précisément le contact avec le royaume de Congo. Donc Congo, d'emblée, c'est une population, un royaume, c'est pas vraiment le fleuve. Le fleuve, quand les Portugais arrivent en 1482, ils le baptisent Zaïre, en demandant aux populations comment ça s'appelle, hein, et les populations répondent Zadis, qui veut dire l'eau, tout simplement, et les Portugais traduisent ça par Zaïre. Donc pendant longtemps, on a connu simplement l'embouchure de ce fleuve, Zaïre, et tout le reste était Congo. Alors Congo est resté un peu dans l'imaginaire des Européens pendant très longtemps, avec la colonisation. Le mot Congo a été repris pour désigner les deux États aujourd'hui, République du Congo, capitale Brazzaville, République démocratique du Congo, capitale Kinshasa, laquelle s'est appelée à l'époque de Mobutu le Zaïre, la République du Zaïre. Alors voilà, vous voyez déjà des termes assez compliqués, assez nombreux, et Congo pendant très longtemps, au fond, a été une sorte de représentation de l'Afrique, ou au moins de l'Afrique équatoriale. Il suffit de lire Tintin au Congo pour s'en rendre compte. Le Congo en tant que tel disparaît d'ailleurs dans la deuxième édition. C'est une sorte d'Afrique un peu extraordinaire dans la forêt, c'est le Congo. On a cette idée du Congo. Et quand les Européens voyagent dans ces régions équatoriales, ils appellent cela « voyage au Congo ». André Gide, dans les années 1920, fait son voyage au Congo. Il voyage surtout au Tchad, en réalité, en RCA et au Tchad, enfin au Guichari à l'époque et Tchad. Assez peu au Congo, mais c'est un voyage au Congo. Donc Congo a une force tout à fait extraordinaire dans la représentation de ce pays. Et ça reste d'ailleurs un symbole. Le Congo, ça a été un petit peu le symbole de l'exploitation coloniale très brutale. Et aujourd'hui, c'est aussi un symbole positif parce que Congo, c'est désigne tout un ensemble culturel qui est assez riche avec évidemment la rumba congolaise qui est très connue et ses dérivés d'aujourd'hui et puis dans la littérature, toute une littérature du côté de Brazzaville, du côté de Kinshasa avec des grands noms d'écrivains. Il y a aussi des écoles de peinture, l'école de Potopoto qui est un quartier de Brazzaville. Enfin, il y a toute une représentation de Congo qui est très positive à travers la culture. Donc voilà, en quelque sorte des dérivés de ce terme très large, qui est même allé jusqu'à désigner une pâtisserie. Un Congolais, on a acheté un tout congolais dans les pâtisseries françaises pendant très longtemps. Et la dernière dérive du terme, ça a été pendant les périodes électorales du début du XXIe siècle, la notion de congolité, copiée sur l'ivoirité en Côte d'Ivoire, et qui faisait allusion au fait que Joseph Kabila n'aurait pas été véritablement congolais parce que descendant partiellement de Rwandais, d'une mère rwandaise, etc. Donc vous voyez toute cette polysémie qui se greffe autour de ce terme de Congo. Alors dans la représentation habituelle des politiques congolais, et ça va jusqu'au manuel scolaire, le Congo est organisé autour de sa colonne vertébrale, de son épine dorsale, et c'est le fleuve Congo. Le fleuve Congo qui serait, d'après cette représentation, une construction autour du fleuve. Or, c'est pas tout à fait la réalité. La réalité, c'est que ce fleuve, c'est vrai, est une très belle voie navigable. Il est navigable
en particulier entre Kinshasa et Kisangani, vous avez la plus belle voie navigable d'Afrique sur 1700 km, et entre Brazzaville et Bangui, un millier de kilomètres. Enfin bon, on a là un très bel axe de navigation, et au total, 25 000 km de voies plus ou moins navigables. Mais le problème, c'est que ce Congo est un fleuve intérieur. Il ne débouche pas sur l'Atlantique. Entendons-nous, il y a quand même une embouchure. Mais entre le poule Malebo et l'estuaire du fleuve, ce qu'on appelait autrefois le Zaïre, il y a 300 kilomètres, et essentiellement des rapides. Des rapides, dont les fameux rapides Dinga, qui représentent une puissance hydroélectrique extraordinaire, mais tous ces rapides interdisent la navigation entre le poule Malebo et l'Atlantique. Donc, ça a eu une importance considérable, parce que pendant 4 siècles, depuis la fin du 15e siècle jusqu'aux expéditions de Stanley à la fin du 19e siècle, le Congo intérieur est resté fermé aux Européens. Et donc la construction qui s'est faite autour de ce fleuve est très récente. Et en réalité, ce verrou très important dans le Bas-Congo, ce verrou a eu un rôle décisif sur l'histoire du pays et sur son aménagement contemporain. Pour que le Congo devienne une voie de navigation utilisable autrement que par les pirogues, il y a toujours des pirogues sur le fleuve, il a fallu construire un chemin de fer, et c'est ce fameux chemin de fer qui relie le port de Matadi au fond de l'estuaire et autrefois Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, c'est ce fameux chemin de fer qui a désenclavé l'intérieur du pays et permis au fleuve de jouer son rôle de voie de transport. Le fleuve lui-même n'a pas du tout eu la même importance dans la construction de l'État que le Nil, par exemple, pour la civilisation égyptienne. Il n'y a jamais eu l'équivalent au Congo. Et pour une raison, au fond, assez simple et qui renvoie aux conditions de la création du Congo, en tout cas du Congo ex-belge, de l'État indépendant du Congo. La création de cet État a été décidée à la conférence de Berlin, 1884-1885, qui a, entre autres décisions, créer un territoire qu'on a confié au roi des Belges Léopold II à titre personnel. Ensuite, ça a été dévolu à la Belgique, c'est devenu le Congo belge et aujourd'hui la République démocratique du Congo. Eh bien, tout cela s'est fait à Berlin et absolument pas dans le bassin du Congo. Les Africains étaient ignorés totalement, il n'y en avait pas de présent à Berlin lorsqu'on a décidé de créer cet État. De même qu'on a créé ensuite, dans des conditions un peu différentes, l'autre Congo, le Congo français. Alors à Berlin, on a cherché une certaine logique pour créer cet État, et on a décidé, c'était dans l'esprit du temps, on a décidé que cet État correspondrait au bassin hydrographique du fleuve Congo. Alors c'est partiellement vrai, parce que d'autres puissances étaient déjà présentes sur le terrain et ont exigé d'avoir la haute main sur les territoires qu'elles prétendaient contrôler. Il s'agit de la France, qui était installée sur la rive droite du fleuve, et celui du Portugal, qui était présent depuis la fin du XVe siècle, sur la côte notamment. Et donc, du coup, la République démocratique du Congo couvre 60% du bassin hydrographique. Elle se confond avec ce bassin hydrographique, mais une partie du bassin appartient à d'autres États, y compris la République centrafricaine. Vous avez raison quand vous parlez de diversité, mais il faut aussitôt rajouter diversité et unité. Alors diversité, bien sûr, si on prend le bassin du Congo, vous avez plusieurs centaines de groupes ethniques. Rien qu'en RDC, on en compte plus de 200, et puis les ethnologues peuvent raffiner et en rajouter. Bon, une grande diversité. Mais en réalité, il y a deux grands milieux qui influent sur l'organisation de ces populations, le milieu de forêt et le milieu de savane. Alors la forêt joue un rôle essentiel, c'est la grande forêt équatoriale, 1,5 million de kilomètres carrés grosso modo, dont la RDC occupe une grande partie, mais aussi le Congo Brazzaville, la République centrafricaine, le Gabon, etc. Alors vous avez ces deux grands milieux, et ces populations très diverses
se sont adaptés à ces milieux de manière assez comparable, indépendamment des différenciations culturelles entre les groupes ethniques. Et on a des populations de forêt. La forêt, c'est un milieu fermé qui fractionne les groupes humains. On a donc des populations de forêt qui n'ont pas rencontré les conditions favorables à la construction d'un État, qui sont donc restés des petits groupes dispersés dans la forêt, des sociétés acéphales, comme on a dit, qui n'étaient pas du tout organisées en État au moment où les Européens sont arrivés. Et puis vous avez dans les savanes, au contraire, qui sont des milieux de circulation, des milieux ouverts, des conditions favorables à la construction d'États. Et c'est là où se trouvaient les fameux royaumes des savanes qui ont été étudiés depuis longtemps par les historiens. Et donc on a un contraste assez fort entre ces sociétés de la forêt et ces sociétés des savanes. Alors je vais aller un peu plus loin dans l'analyse des sociétés des forêts, parce que c'est très important. Comment vivent les gens dans la forêt? Déjà, c'est un milieu fermé où on ne voit pas au-delà de quelques dizaines de mètres, il y a des arbres partout. Et on vit de chasse, de cueillette et de pêche, comme les pygmées qui sont les premiers habitants de la forêt. Mais on vit aussi d'agriculture. Les populations, 99% de la population de ces régions-là se rattachent au groupe bantou, ce sont des cultivateurs. Et qu'est-ce qu'on cultive dans la forêt? On cultive surtout des racines, du manioc, de l'igname, du taro et des bananes plantain. Et ces produits ne se conservent pas, ou du moins on ne connaît pas bien les techniques de conservation de longue durée de ces produits. Donc, ils restent dans le champ jusqu'à maturité, ou pour le manioc, ils peuvent rester pendant un an en terre avant qu'on aille le chercher. Et donc, c'est la terre qui tient lieu de grenier. Et on se trouve dans ce que j'ai appelé l'Afrique des paniers, qui se différencie de l'Afrique des greniers. L'Afrique des greniers, c'est l'Afrique des savanes, de la céréaliculture, de la conservation des grains d'une année sur l'autre. Alors que là, on consomme presque immédiatement après avoir récolté. Et pourquoi je parle des paniers? Parce que lorsque la plante arrive à maturité, ce sont les femmes qui sont chargées d'à peu près toutes les tâches agricoles qui vont récolter ce produit pour les besoins de la consommation d'un, deux, trois, quatre jours, qui le ramènent au village pour faire la cuisine. Et elles ramènent ces produits dans des hottes qu'elles portent sur le dos ou des paniers. Et c'est un spectacle que l'on voit aujourd'hui encore, en 2021, partout dans cette région forestière, des femmes qui sont lourdement chargées de 15, 20, 30 kilos de nourriture, voilà, qu'elles vont ensuite préparer, transformer dans le village. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et ce qui est essentiel pour comprendre la formation politique, au fond, et culturelle de ces populations, c'est que puisqu'il n'y a pas de grenier, il n'y a pas de provision alimentaire dans les villages, ça n'incite pas à la prévision, comme c'est le cas pour les sociétés de céréaliculteurs qui doivent gérer les greniers. Et donc, on comprend bien que ça ne favorisait pas l'organisation d'une autorité forte qui serait à l'origine des États. D'autre part, puisqu'il n'y a pas de réserve alimentaire, il n'y a pas de possibilité pour un pouvoir quelconque de prélever un tribut. Et on sait très bien que dans l'origine des États, le tribut est essentiel pour faire vivre les populations qui ne travaillent pas dans l'agriculture. Donc vous voyez, les conditions même, les conditions matérielles de production des vivres et de rapport au milieu forestier sont telles que ces populations n'étaient pas prédisposées à vivre dans des États et que l'État est une idée neuve. Ça fait un peu plus de 100 ans que l'État s'est imposé, et aujourd'hui, bien entendu, les populations vivent dans ces États. Ça pose parfois des problèmes de cohabitation entre des groupes ethniques qui ne sont pas forcément prêts à vivre ensemble. Mais enfin, les États sont là, et avec le temps, plus de 100 ans, ils se sont imposés. La RDC est une réalité, le Congo-Brazzaville est une réalité, etc. Ces territoires ont été construits par une décision des Européens. Et qu'est-ce qui arrive en premier? C'est la frontière. On délimite un contenant sans connaître le contenu. Il y a eu déjà l'exploration de Stanley, l'exploration de Brazzaville, mais on ne connaît pas grand-chose de ce qu'il y a à l'intérieur de ces frontières. Et ces frontières, elles ne sont pas sur le terrain, elles sont tracées sur des cartes approximatives. Des cartes géographiques, mais bon, très, très frustres à l'époque. Ça se précisera petit à petit avec d'autres explorations. Et donc, on construit un cadre, mais le contenant, on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc, le fleuve lui-même, c'est un trait
qu'on a tracé sur la carte, qu'on va peaufiner petit à petit, on va voir tous ces affluents, etc. Mais ça n'est pas, si vous voulez, il n'y a pas eu une dynamique endogène qui aurait fait surgir une société à partir d'un territoire. C'est l'inverse de ce qui s'est passé dans l'histoire européenne, hein, où la nation s'achève à la frontière, alors que là, au contraire, on part de la frontière pour construire un État en espérant en faire une nation. Et comment est-ce qu'on va essayer de construire un État à partir des frontières ? Eh bien, en aménageant des infrastructures. C'est un problème tout à fait central dans toute cette région. Ce sont les infrastructures de transport, de communication, qui vont donner une architecture à ce territoire et faire en sorte que les différentes régions aient des relations et vivent plus ou moins les unes en rapport avec les autres. Et ça reste un défi énorme parce que le pays est immense en ce qui concerne la RDC, hein, 2 300 000 km². Les conditions de construction des infrastructures sont difficiles, milieu équatorial, construire des routes sur des altérites très épaisses, c'est compliqué, les routes ne tiennent pas bien, ou sur des sables, c'est pareil, dès qu'il pleut, il pleut beaucoup, il y a des phénomènes d'érosion, les routes ne durent pas, etc. Et donc, c'est toujours un grand défi que d'aménager ces infrastructures. Or, l'État n'existe que s'il y a ces infrastructures cohérentes, efficientes, fonctionnelles. Et durant les périodes de crise, ces infrastructures ne fonctionnent plus. Imaginez-vous quand même que le fleuve Congo lui-même a vu la navigation s'arrêter quasiment pendant les périodes de guerre civile et d'insécurité, jusque dans les années 2010 au moins. Il n'y avait plus de circulation. Les voies ferrées s'étaient aussi pratiquement arrêtées. Donc ça montre bien le rapport entre la situation politique et la construction du territoire. Les Belges avaient essayé de construire un territoire fonctionnel avec notamment une très grande idée qui était l'idée de la voie nationale, en disant bon, on va essayer de relier ce territoire entre les régions minières riches qui apportent la richesse à l'État, qui se trouve surtout dans l'Est et dans le Sud-Est, c'est-à-dire le Katanga, la grande région minière du Katanga. On va essayer de relier cette région par un système fluvio-ferroviaire, une association du transport fluvial et ferroviaire, jusqu'au port de Matadi pour exporter les minerais vers Anvers. Donc ça a été la grande idée de la voie nationale qui s'est mise en place dans les années entre 1920 et 1940, grosso modo. Et ça a fonctionné tant qu'il y a eu une autorité gestionnaire, mais avec les indépendances, aussi bien du côté Brazzaville que du côté Kinshasa, les sociétés d'État ont remplacé les anciennes sociétés coloniales et l'autorité a cessé de fonctionner de manière satisfaisante et on a assisté à un délitement progressif de tous ces systèmes de transport. La logistique ne fonctionnait plus très bien, il y a eu des détournements des ressources publiques et progressivement tout le système de transport s'est dégradé et on a assisté au déclin de l'État. Et imaginez-vous quand même que le Congo-Kinshasa, qui est considéré comme un pays potentiellement riche, est un des pays les plus pauvres d'Afrique. C'est un paradoxe énorme. Hein. Lorsque les géologues sont arrivés à la fin du 19e siècle au Katanga, l'un d'entre eux s'est exclamé « Mais quel scandale géologique !» tellement il était ébloui par les richesses du sous-sol. Eh bien, malédiction des ressources de matières premières, peut-être, en tout cas, malgré cette richesse potentielle d'un pays dont on dit sans arrêt qu'il regorge de richesses, etc., malgré cela, on reste dans un pays pauvre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un parti. C'est parti comme ça, en quelque sorte. C'est une aventure, oui. Oui, je pense que c'est une aventure parce que ce livre inaugure une collection. Il inaugure une collection Géo-histoire d'un fleuve.
Et il y aura prochainement d'autres fleuves, le Tigre, le Frat, le Mississippi, le Volga, etc. Donc on inaugure, d'une certaine façon, j'essuie les plâtres, on inaugure une collection. C'est donc déjà en soi une aventure. Et c'est Thierry Sanjouan qui est à l'initiation avec Marie-Pierre Lajot, à l'initiative de cette collection. Et on en a discuté, bien entendu, au départ, et là, tout de suite, était question de faire un ouvrage qui ne soit pas un manuel scolaire ou universitaire, mais plutôt un essai. Alors, on avait un peu la bride sur le cou. C'est un essai, et il fallait se plonger dans le fleuve, si j'ose dire. Et d'où un peu de tâtonnement, d'ailleurs, de ma part, au début, comment prendre les choses. Il faut quand même, puisqu'il s'agit d'un fleuve, il faut quand même parler du fleuve, donc qu'il y ait des éléments d'hydrologie, hein, c'est indispensable. Et ensuite, bien entendu, quelles populations vivent au bord du fleuve ou dans la proximité, ou dans le bassin du fleuve. Donc, progressivement, se sont construits ces différents tableaux qui nous emmènent au fil de l'eau pour décrire de manière peut-être un peu classique dans la géographie, décrire les lieux, à quoi ça ressemble ce fleuve et ses affluents, comment les populations ont mis en valeur leur milieu. Et puis après, on élargit, on ouvre les perspectives. Et c'est en ouvrant les perspectives, en multipliant, en diversifiant les éclairages, qu'on réussit à avoir une idée de plus en plus approfondie des réalités de ces territoires. Alors j'aborde donc la question du territoire lui-même, comment il s'est constitué, et puis cette question essentielle aussi, puisque le titre de l'ouvrage s'est imposé, à moi en tout cas, petit à petit, la puissance. La puissance parce que 40 000 m³/s au sud d'Inga, c'est le site hydroélectrique le plus puissant du monde, encore beaucoup plus puissant que les trois gorges sur le Yangtze. Donc il y a cette puissance réelle, mais c'est une puissance potentielle, et les aménagements d'Inga par exemple, on en parle depuis bientôt 100 ans, et pour le moment on n'a que deux petites centrales qui ne fonctionnent pas très bien, avec des projets. On vit dans une ère de projets. On projette la construction, la mise en valeur hydroélectrique de ce fleuve. Alors, Inga éclairera l'Afrique. Enfin, bon, il y a des discours extraordinaires, mais entre ces discours et la réalité, force est de constater que c'est la réalité qui l'emporte, et la réalité, c'est qu'il n'y a encore rien. Alors, il y a des projets sur le bas fleuve, à la fois donc, de grandes centrales hydroélectriques, de complexes industriels, d'avant-ports pour accueillir des bateaux de fort tonnage. Tout ça, c'est dans les cartons depuis des décennies. Et puis, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, et c'est relancé tous les 5, 10, 20 ans. On ressort tous ces projets et on n'aboutit pas. Alors, moi, mon voyage, il s'est construit comme ça, petit à petit, en ajoutant un nouveau cercle de réflexion. Et j'ai terminé, après cette réflexion sur la puissance, qui a été essentielle et qui a donné le sous-titre à l'ouvrage, « La puissance contrariée ». Et ce sous-titre est venu au fil de l'écriture, lorsque j'ai évidemment pris pleinement conscience que le problème fondamental, c'était celui-ci, un pays potentiellement riche et dont le développement est contrarié à la fois par la nature trop puissante pour être aménagée par des sociétés assez faibles, et un fleuve entravé dans son équipement par la faiblesse de ces sociétés qui n'ont pas les moyens techniques ou financiers de tirer parti de cette puissance. Alors, après cette puissance, j'ai terminé par un chapitre qui me paraît essentiel aussi, qui est les villes qui se sont développées depuis la colonisation le long du fleuve, et en particulier le doublet Brazzaville-Kinshasa, qui est tout de même extraordinaire. Ce sont les deux capitales les plus proches du monde. Il y a 2 kilomètres qui les séparent au point le plus étroit du fleuve. Et c'était intéressant de voir comment ces villes miroirs fonctionnent, l'une ayant été créée par Stanley pour le compte de Léopold II, l'autre par Brazza pour le compte de la France. Alors, Kinshasa, c'est au moins 10 millions d'habitants, c'est beaucoup plus gros que Brazzaville, qui est de l'ordre d'un million, 1,5 million d'habitants. Mais ces deux villes vivent en une sorte de compétition permanente,
et à la fois sur le plan politique et surtout sur le plan culturel, où d'un côté il y en a plus de littérature, c'est Brazzaville, de l'autre côté plus de danse, de musique ou d'art plastique, c'est Kinshasa. Mais enfin, avec des échanges permanents des populations et une rivalité, ça peut être intéressant d'ailleurs à rappeler, qui s'est traduite par la naissance de ce mouvement extraordinaire qu'on appelle la SAP, hein, la société des ambianceurs et des personnes élégantes, hein, où chaque ville s'en attribue la paternité, et c'est devenu un peu un marqueur culturel de ce qui se passe au Congo au pluriel, et qui s'est exporté d'ailleurs, puisque les concours de SAP, on les trouve maintenant à Bruxelles ou à Paris, plus que là-bas, parce que les crises politiques de ces dernières années ont considérablement freiné la vie culturelle. Je crois que ça dépasse le vœu pieux. La réalité du Congo, enfin des deux Congos, c'est que depuis la période coloniale, ils vivent sous un régime d'économie rentière. Pour la RDC, ce sont les mines du Katanga, le cuivre, le cobalt, les mines de colombo-tantalite dans l'Est, ou de cassitérite ou d'or, les mines de diamants, etc. Donc, exportation de produits bruts. Et au Congo, au Brazzaville, c'est la même chose avec le pétrole. Et la dépendance au pétrole est encore plus forte. Or, jusqu'à présent, et depuis des décennies, on a des économies rentières. Et ces économies rentières présentent bien des points faibles. Elles sont dépendantes des multinationales qui contrôlent la production, la commercialisation des produits. Et donc, les pays peuvent souffrir lorsque les cours des matières premières s'effondrent, ce qui est le cas pour le pétrole depuis 2014. Et la situation du Congo-Brazzaville est assez préoccupante de ce point de vue-là. Et au-delà de cette dépendance, cette économie rentière facilite la collusion entre les sociétés d'exploitation des ressources et le personnel politique, en commençant par la tête. Du coup, ces pays sont parmi les plus corrompus d'Afrique ou du monde. Enfin, la corruption est un mode de gestion de la société, finalement. Mais elle ne bénéficie qu'à une toute petite poignée de personnes. Et donc, ça explique ce paradoxe de pays aux ressources naturelles, du sous-sol en particulier, considérables, et la pauvreté générale de la population. Le paradoxe, par exemple, que l'électricité, dont on nous dit qu'on a un potentiel formidable, la RDC, le pays d'Afrique, où la consommation d'électricité par habitant est la plus faible. On se demande comment ces choses sont possibles, mais c'est la réalité. Alors, à côté de cela, on peut avoir un espoir dans la forêt, en disant, mais ce modèle, bon, il a montré qu'il conduisait à une impasse, le modèle rentier. La forêt, à condition qu'elle ne devienne pas elle-même une nouvelle rente. La forêt, bien la forêt, d'abord, c'est le fondement d'une agriculture forestière. L'agroforesterie, qui touche la grande majorité de la population qui vit de l'agriculture, l'agroforesterie, c'est quelque chose qui a des possibilités, des potentialités importantes, qui permet déjà de nourrir la population, ce qui n'est pas rien. On n'est pas dans les régions sahéliennes, ici. Il y a des ressources naturelles réelles et des capacités agricoles potentielles qui sont là, hein, et qui peuvent être exploitées par les populations. Donc les paysanneries elles-mêmes devraient être davantage soutenues parce qu'elles représentent une base durable de la mise en valeur du milieu. Il y a bien entendu dans la forêt les ressources bois. Bon, il est vrai que l'exploitation forestière n'est pas si importante que ça, hein, par rapport à l'importance de la forêt elle-même. Mais surtout, aujourd'hui, la forêt est devenue un enjeu mondial. Ça n'est plus uniquement un enjeu national.
C'est un enjeu mondial parce que la forêt congolaise, c'est le deuxième massif forestier tropical après celui de l'Amazonie. C'est, comme on dit, le deuxième poumon de la planète. Et en tout cas, par rapport aux préoccupations écologiques contemporaines, il y a là des possibilités importantes de lutte contre le réchauffement climatique, hein, de lutte contre les gaz à effet de serre. C'est un puits de carbone considérable, cette immense forêt. Et donc, se sont mis en place depuis déjà un certain nombre d'années, voire de décennies, des mécanismes qui permettent de valoriser cette ressource de la forêt. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que techniquement, c'est un petit peu compliqué. Moi, c'est les mécanismes de réduction des émissions liées à la dégradation, à la déforestation et à la dégradation de la forêt. Tous ces mécanismes sont un peu complexes à mes yeux pour le moment, mais ils pourraient représenter une ressource d'avenir et une ressource durable à la différence de l'exploitation des ressources fossiles. Et surtout, dans un milieu forestier où une grande fraction de la population est concernée par la mise en valeur à différents secteurs miniers. Donc il y a, je crois, des possibilités de... on ne va pas supprimer du jour au lendemain, bien entendu, l'exploitation des ressources minières, mais de les équilibrer en donnant davantage d'importance à la forêt, donc à la fois comme base de l'économie nationale et comme élément important des équilibres planétaires.